maintenant il passait la frontière avec une guitare et ses frères. Paris Brugial, arrivé Gare de Lyon, les cafés français sentaient bon. Hôtel des voyageurs, il s'était quelques-uns à parler arabe ou italien. 20 ans après, quelque chose a changé dans son cœur méditerrané. Ses 3 enfants ont grandi par ici, la France est devenue son pays. Quand on dit de lui que c'est un étranger, il dit qu'on est tous des immigrés. C'est un Mexicain de Levallois, un Français de cœur comme il y en a. Un bon courrier de l'aventure, c'est un baladin comme vous et moi. C'est un portugais de pour des voix, avec le soleil au bout des doigts. Et on l'appelle ainsi, Piero Pietro, qui est pour moi, fils de Joseph et de Santa Maria. D'autres pays ont brisé la frontière de tous les ghettos de la terre. Ils sont partis d'Afrique ou de Pologne, les siens n'appartient à personne. Ils portent un drapeau couleur de liberté, nouvel nom, nouvelle identité. C'est un Mexicain de Levallois, un Français de cœur comme il y en a. Un bon courrier de l'aventure, c'est un baladin comme vous et moi. C'est un portugais de cour des bois, avec le soleil au bout des doigts. Et on l'appelle ainsi, Piero Pietro, qui est pour moi, fils de Joseph et de Santa Maria. C'est un Mexicain de Levallois, un Français de cœur comme il y en a. Un bon courrier de l'aventure, c'est un baladin comme vous et moi. C'est un portugais de cour des bois, avec le soleil au bout des doigts. Et on l'appelle ainsi, Piero Pietro, qui est pour moi, fils de Joseph et de Santa Maria. Avec le soleil au bout des doigts. Et on l'appelle ainsi, Piero Pietro, qui est pour moi, fils de Joseph et de Santa Maria.